Cette campagne a été l'occasion de... de 20h, mais on commencera à décrypter évidemment les enjeux dans l'Hexagone, mais aussi dans les Outre-mer. Ce sera à partir de 19h, soirée spéciale avec Louis Laforge et Soraya Khaldoun, entourée d'invités politiques. Et si le vote
est possible, c'est parce que, et on l'a vu tout à l'heure dans le bureau de vote, ça va mieux au niveau sanitaire, les indicateurs sont plutôt bons, l'ensemble des départements de l'Hexagone sous le seuil d'alerte épidémique, et c'est un événement, figurez-vous, le couvre-feu est désormais de l'histoire ancienne, et oui, 245 jours après son instauration, 8 mois de restrictions, il est désormais autorisé de se déplacer quand on le souhaite, même donc après 23 heures terminées. Le couvre-feu, aujourd'hui 20 juin, à la veille de la fête de la musique, ce qui préoccupe certains professionnels hospitaliers. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de couvre-feu, Muriel Rousselin, que tout sera demain permis. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas le droit de danser dans la rue. J'ai pas pu résister à vous montrer cette image. C'était la fête de la musique 2019. Pourquoi on ne pourra pas danser dans les rues? Eh bien, tout simplement